Le match d'après. Classe Effi contre Miu Miu Team. On est juste à la fin du tour 1. Alors, est-ce que tu veux t'amuser à présenter pendant que je change les noms? Ok. Alors, en bas, nous avons la Zephy Team Rouge avec Nion, le Yop, Even, le Feka, Shizubal, le Zobal, et t'auras pas mon nom, les Nudrof. Ensuite, en haut, nous avons Frodon, le Feka pour la Team Miu Miu Team, accompagné de Tibourge, les Nutrof, Ubalumba, les Kaflip, et Euthanasia, le Zobal. Donc deux Zobal dans ce combat, deux Feka également. Deux Zenu également. Ah, les Zenu, c'est la base. Hein. Et la seule différence entre les deux équipes, c'est que les Miu Miu Team jouent avec un Ekaflip, tandis que la Zephy, joue avec un Yop. Donc je me suis pas trompé, c'est Miu Miu en bleu, c'est ça? Miu Miu. Miu Miu. Et je sais pas toi, mais j'ai un bug d'affichage sur les glyphes Timo. Ouais, ils sont ouais, mal, même, ils ouais. sont mal posés, ouais. Ils sont... Je crois que t'as le même. C'est bizarre, j'ai jamais eu ce bug. Attends, je vais essayer de ressortir, de rentrer. Moi, je pense que ça changera rien. Ouais. Ils sont mal calés. Ouais, bizarre. Donc ce combat, il était très long. Ouais, alors en fait, il me semble qu'il y a eu ce match en phase de qualif et que ça s'était fini en match nul. Donc on est parti pour s'amuser, je crois. D'accord. Va y avoir du fun. Ouais, Feka, Zobal. Feka des deux côtés. Zobal. Ah oui, c'est ça, Feka, Zobal des deux côtés. La Zephy qui est exactement la même team que Léo Calm. Même composition. Ouais. Ouais, bon, alors ce coup-ci, je vais pouvoir peut-être réussir à lancer les sardines. Ah oui, il y a deux Feka là, t'as pas intérêt à planter. Ouais, trois, ça va. Char Royal qui dit que ça va durer 3 heures, peut-être pas, mais ouais. Ça va être long. Heureusement qu'il n'y a pas de match ce soir. Match de Coupe du Monde, tu veux dire? Bah oui. Ouais. Quand ouais, on dit match sans rien derrière, ça veut ouais. forcément dire Coupe du Monde. Ça recommence vendredi, c'est ça? Ouais. 18h. Victoire de la France. Ah, on espère. Ah, pour ceux qui suivent vraiment le foot à fond, France-Allemagne, c'est quand même... ça représente quelque chose. Quoi. Ouais, c'est The Confrontation. Il y a de la revanche dans l'air. Pas mal de choses. Avec Schumacher. Le match, l'autre match qui vient de se terminer, hein, puisque Xenon vient de rejoindre un spectateur. Ouais. Donc on peut annoncer officiellement la victoire des Eaux Calmes. Ouais, qualifié pour les demi. Les 1, c'était quoi? Indisponible. Indisponible. Je vais oublier le genou. Et la longue rappeuse sur Nion, ça tape. Ça enlève la PO du Yop, même si c'est pas forcément utile. C'est trop Zobal de jouer. Shizubal. Apathie. Double apathie. Qui enlève qu'un seul PM ouais. sur 6 possibles. Passe pas top. Alors d'après toi, qui va lancer l'offensive? Ouais, je pense que c'est plus facile pour la team Ekaflip. Ouais. Ouais. Avec Odora, c'est plus facile de foncer. Avec Odora, ouais. Parce que dans l'autre sens, ouais, il y a que l'Yop, Yop the Ball, Feka peut y aller aussi, les nu. Ah, il pourrait aussi, mais après, ouais, c'est pas tous en même temps non plus. Ah, mais avec leur Alpea, c'est plus dur pour un Yop. Ouais. C'est le problème. Allez, ça va être un Nion de jouer. Il commence son tour en 9-2, tu vois. Voilà pourquoi c'est compliqué. ouais, Lilouen qui nous dit que match de qualif, il y a eu match nul avec un seul mort. ouais, c'est ça. Hein, c'est... Veux qu'on se suicide, ça se passe comment? ah ouais, ça va être.
là d'habitude. J'ai souvent entendu dire plus c'est long, plus c'est bon. Là, je suis pas sûr, hein. On verra. Allez, ça va être à la Nutrof de jouer son tour de jeu. Tibourge en 10-4. Il y a quand même des élus pour des buffs. A priori. L'IB vers là, pourquoi il y a l'IB vers là? Après, pas l'IB, son The Ball et son Nega, d'accord. Logique. Oh, je baille au tour 3, ça va être violent. Voilà, il y en a encore un. Il y en a facile 20 derrière là. Je sais pas si t'as un petit truc pour reprendre de l'énergie. Il faudrait que j'y aille, ouais. Alors, t'auras pas mon nom qui n'a pas l'archétype, hein. A priori, il y aurait pas des types du côté de la Zephy. On va pas regarder trop les stuffs. Pas des types, en effet. De l'autre côté. De l'autre côté, il y a pas. Attends. Ça pourrait. Il n'y en a pas non plus de l'autre côté. Côté Enu. Et Difix R, c'est pas FX et type. Ouais, peut-être. Enfin, possible. J'avoue ne pas savoir. On a plus l'habitude de voir sur les stuff feu du 22-25. C'est. 25, c'est quand on est en sécu. Ouais. 22, c'est quand on est en midlas, ouais. Du coup, il aurait quoi là? Il y a la panneau créochrone. Je sais pas si ça colle, mais. On peut aussi jouer type à base de Cryochrone. Torturuga. Oula, pas falloir spam les Torturuga là, parce que. Toi, je vais te TDOS. Hein. Vous voulez pas rappeler le mec qui DDOS tout le monde, ça accélérera le combat. Ouais, j'ai suivi Sister. Visiblement, il s'est fait choper. C'est fini pour lui. Et apparemment, sa maman était pas très contente. La fête est finie, ouais, c'est ça que je dis. C'est qu'elle est privée d'ordinateur maintenant, je crois. Il a 17 ans en fait, le mec. Mais bon, on va pas trop le charrier non plus. On sait jamais, il pourrait revenir. Il tue le nom de l'ennemi. Le nom de l'ennemi. Lequel? Ouais, lequel. Ah, t'auras pas mon nom. T'auras pas mon nom. Ça doit être celui-là, je pense. Ouais, je pense, parce que Tibourge. Ça fait un peu penser à Thibaut, c'est pas très cool. Ouais. J'aime pas ce prénom, ça. Ouais. C'est Lé. Ah, mais je te comprends. Allez, Kaflip. Il pourrait se préférer dans sa cahouette et venir réflexe. S'il te plaît. Ah mais Esprit Félin maintenant sortir des... Sortir un tour de buff, c'est ça? Automatiquement? Non, uniquement non. Si on ne relance pas. Ah d'accord, ouais, parce que moi j'avais... J'ai pas trop... Je t'avoue que j'ai pas pratiquement pas joué là depuis la dernière mage. Donc au début on m'avait dit que c'était si on le relançait pas, puis après on m'a dit peu importe si tu le relances, donc je savais pas trop. Oh, ça serait vraiment pété, si tu... ce serait inutilisable si c'était... Ouais voilà. C'est... Seulement si tu le relances pas. Ouais. Et pesanteur, du coup, tu peux plus bouger, c'est rétabli quoi. C'est si. Vrai, ça c'est. Si, tu peux encore. Tu peux encore. Si on te met sous pesanteur, tu peux toujours te ouais, déplacer ouais. Avec Esprit Félin. C'est une volonté du studio, ils ont dit. Sérieux? Alors, c'est une volonté du studio. Ah putain, on m'avait dit qu'on pouvait plus. Ah, à moins que je me trompe, mais. Ouais, moi, j'avais lu de la part de Liken, c'est une volonté du studio que le Kaflip puisse. Ouais, dites-nous dans le chat, parce que du coup, on a. Tu bah, me mets le doute, mais... Ouais, moi aussi, du coup, je doute, parce que... J'ai dû faire un donjon avec mon mecha depuis... J'ai pas trop regardé. On a deux tapis de glyphes qui sont en train de se mettre en place, hein. Alors, y a une équipe qui est plus dedans que l'autre, hein. Le Faker qui a quand même rush, hein. La Zobal, pardon. Ouais. Qui veut déclencher... ...9-3, pas pouvoir destin. Un petit bond pour se rapprocher. Il va recharger la destination.
Voilà, c'est ça. Sous pesanteur, tu peux taper, mais pas bouger. Tu te déplaces. D'accord. Tu peux te déplacer. Ouais, c'est bien ce qu'on m'avait dit. Hein. Bon, en même temps, c'est logique, hein, parce que c'était un Ah oui, peu. bah enfin! C'était, ouais, c'était cheaté. On est Quand vous voyez des d'accord. écats se retraite qui bougeaient de 8 PM grâce à deux esprits félins. Ouais. What the fuck? C'est quoi cette classe? Ouais, ils sont en train de les réajuster petit à petit. Bon, ça reste toujours intéressant, hein, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retravaillent les autres classes comme ils ont fait avec les K, quoi. Ouais. Qu'il y ait enfin des classes comme le Sadi, qui soit revu, Oui. quoi. Bah là, l'urgence est Sadi, Feka, Kragzel. Hein. Ouais, donc Fekazel, ça devrait arriver cette année, d'après ce que j'ai compris. Après, ce serait bien qu'il y ait quelques classes qui suivent derrière. Ah, il n'y a plus d'armure, on met un sac animé. Bien joué de l'appel animé pour mettre le Yop dans les glyphes. Allez, ça va être au tour de... T'auras pas mon nom. Voilà, force de l'âge à 220, il y a une roulette qui traîne là. Moi la force. Allez, deux debuffs, ça va. Dis dans le canal équipe, c'est l'heure de Ouais. la prière, les tapis de glyphes sont sortis. Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup la référence. Après, ils sont pas tous tournés dans la bonne direction. Mais bon, c'est pas grave. Toi, ils sont carrés. Tu peux pas les tourner dans un sens. Et tu fais des remarques dignes de Had, toi. Mais oui, c'est mon maître. Ton maître. J'essaye de marcher dans ses traces, c'est compliqué. Ouais, c'est très dur, hein. Ouais, C'est un je sais pas chemin si j'y arrive. sinueux. Ouais. Ah, j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. Est-ce que les caves à Sodora pour aller réflexe sur le Zobal? Oumba pour l'instant c'est au tour de Evans. Avec sa petite bile réole, mini beauté. On espère. Ouais. Joue en Strigid, ça fait qu'à apparemment, tu sais écrite. Strigid Feka J'aime pas. Ouais, en plus pas super bien FM visiblement. Ouais, visiblement non. Strigid Feka, ouais, je sais pas. Pas de retrait PA. C'est un J'aime choix. pas. C'est un choix. Alors les Kaflip a quand même. Si Sodora il a quand même une zone réflexe sur Yop plus Feka là. Je verrais bien Sodora plus bon du félin là. Pour venir réflexe réflexe. Qu'en penses-tu? Ouais, après, bon, il va s'exposer, donc ouais, il va pas le Sans blé faire. quoi. C'est 15% maintenant réflexe, donc Ouais mais là aussi, justement, là faire les encore, deux ils ont perdu réflexes. le. Encore un petit cheat qui a été remis à niveau. Ça aurait quand même fait pas mal de dégâts. Et mis de l'érosion, parce que là, sans zéro, ils vont pas aller loin. On se bat le PK, c'était road bas. Surtout que... Ah non, y a pas des types en face, mais bon, même. Hein. Se bat Ouais, le mais PK. je pense qu'il a dû se dire si j'y vais, je vais héros, mais après c'est moi qui vais me la prendre. Bon, il attend peut-être un meilleur moment, je sais pas. Ouais, je sais Est-ce pas. que Il pouvait la mettre sur deux personnes, quoi. C'est l'avantage. On verra. Allez, la Furia pour ce boost sur la pelle. Autour de Frodon. Il cherche encore et aveuglement. toujours la montagne du destin. Toujours ces yops qui se font râle en priorité. Trois glyphes PA dessus-là. Ah non, que deux, que deux, que deux, pardon. Il y en a une qui n'est pas à portée.
Et du coup, il se met lui-même dans deux glyphes. Ah, yop, SIPA. Pour la colère, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce Yop? Peut-être puissance pour la destin du prochain tour? Heureusement qu'il y a le canal équipe. Ouais, pour rigoler un peu. Ouais. Le souffle. Souffle. Et une pression. Petite pression. Ouais, ça va être long à se décanter. Ouais, en même temps, vu les teams, c'est normal. Ça débuffe de part et d'autre. Mais en fait, les buffs ne suffit pas quand tu fais 15 balles. Hein. Bah, du coup, le nul n'est pas possible, mais. Non, parce que c'est un quart de finale. Suivant ton expérience, en combien de tours ça se joue ce genre de combat en. 87, 88. 80 tours, ouais. 80 tours. Non, ça va se décanter, je pense, autour. Parce que les armures FK vont partir de part et d'autre. Et les équipes commencent à être assez dispersées. Les cooldowns du sac ont été lancés. Donc on va voir. Bon, il reste les IMU et les RDS, quoi. C'est le problème. Alors, CPA va... encore. CPA passe ton tour. Ouais, voilà, faut toujours taper un peu, même si c'est pas grand chose. T'auras pas mon, tu passes ton tour. Il a fait un roulage. Allez, 10 PA pour Euthanasia. Les mascales. Qu'on ait au moins l'illusion que le match est avancé. Ouais, ouais, t'as l'impression que tout le monde est low life, tu fais, ouais, c'est la fête. Pendant un tour. Oh, l'apathie, quoi. Ça ne passe pas. Tenter l'apathie sur 2 PM. Ah oui. Il faut avoir la foi. Ah, belle passe, tiens. Je suis mauvaise langue. Il en tire un autre. Heureusement qu'il n'y a pas de Sadie. Bah, ouais. Quoique, ça aurait forcément enlevé une autre classe. Et ça aurait pu faire un debuff global qui aurait permis un focus. En plus, ouais. Celle-là, les alunes ne suffisent pas. Quand tu fais case au ballon. Sac animé qui descend petit à petit. Il va se faire chance par les cas. No shit. On était tombé, je crois que c'est notre premier match du TDA, on est tombé contre une équipe miroir. Et on a fait ça au premier tour, histoire de ne pas manger de dégâts de loin ou un truc comme ça, tu vois. Et les mecs, ils connaissaient pas le truc. Donc, ils nous ont dit, oh putain, c'est cheaté, machin et tout, tu sais, mais ça nous a juste servi, voilà, ça nous a évité de l'engrappeuse, tu vois. Ça a pas changé non plus le combat. Après, le mec était vraiment pas content, quoi. Ouais, c'est grâce à ça que vous avez gagné et tout. Ouais. Les deux réflexes, ils sont enfin placés sur Mion là. Ouais, et donc à 45% d'érosion maintenant. Shizubal qui va à Potiburge. Appui, réappo. Bien joué. Bien dans son camp. Il y a 20% d'héro sur cette ennemi. Ouais, il va sûrement reprendre un peu plus avec la Yop qui va jouer là. Bon, Yop qui va commencer dans 1, 2, 2 glyphes PA, peut-être une troisième du Feka, plus un aveuglement. Et le RDS qui est claqué, c'est bien joué. Ouais. Il va à destin. Putain, moustique de merde. Allez, l'aveuglement sur Nyon. Peut-être une glyphe. Et voilà. Voilà. Combien il va en avoir? Bim! Moins 5!
moins 5, moins 6. Moins 6, 5 PA, ouais. Bon, bah, une pression. Même pas. Il recharge pas la destin, du coup. Bah, là, il y a renvoi de sort. Ah, bah oui, ouais. En effet. Alors, tiens, je sais même pas si le renvoi. Non, le renvoi de sort renvoie pas l'effet, quand même. Non. Ouais, donc il aurait peut-être pu le faire. Quitte à prendre un peu de dégâts. Mais bon, comme il est rodé lui-même, faut éviter de prendre des dégâts. Allez, lune trof. Il se chance pour les tacler. Est-ce qu'il ferait pas une petite libée sur les nus? Histoire de bien le repousser dans son camp. Sur le yop? Non. Oui, sur le yop, oui, pardon. Ah non. Pas envie. C'est okay. Retourner. Retourner chez ses copains. Ah, on n'est pas rendu. Hein. On n'est pas rendu. Non. Je vais aller me chercher à boire. Tu m'excuses encore. Fais donc. Ah, ça pourrait être intéressant de voir t'auras pas mon nom débuff son propre yop. Histoire qu'il perde l'érosion autour de l'éca. Qu'il soit obligé de la remettre. Je sais pas si ce serait rentable. Sachant qu'il a pas d'autre boost. Par une roulette force qu'il va perdre là, autour de l'éca. C'est pas la décision qui est prise. Et donc petit bourge qui prend des dégâts. Hein. Même s'il a plus la pression. C'est dommage d'ailleurs. Il la débuff. Il doit débuff l'héros avant de le taper. C'est un peu bête. Il aurait dû le taper et ensuite le débuff l'héros. Et là, Tortuga. Sur Tibourge. Et Euthanasia qui continue les apathies, hein, décidément. Alors, tu Tortuga son éca avant, parce qu'il est à 3 PA, il peut rien faire avec. Ça aurait été assez long pour le faire. Et la flamiche. Il n'y a pas eu de coco. Non. Oh, dommage, Euthanasia qui a pas le temps de bouger, qui reste dans les glyphes. C'est bête. Alors, les armures qui sont relancées par Events. Coupe de balle. Jambé ne suffit pas. Ouais, mais. Dans ces combats-là, les Zobans ne sont jamais focus, ils ont trop de vita pour les tuer à l'érosion, c'est trop long. On a quand même 80 viewers qui s'infligent ce combat, il doit y avoir des supporters des... de ces équipes, ouais. Ouais. Alors que va faire les K-Flip ? Oh, vraiment des mordus de PVP hein, pour... On a encore le Yop qui est sous zéro là, il peut lui faire mal. Ouais, il est tombé sous les 4000. Et les bluffs, sous zéro. Ouais, ouais. Ça fait mal, hein. 3200 vitamax. Ouais, ouais, c'est bien descendu là, c'est pas mal, c'est pas mal. Nice! 3000 vitamax. Et le plastron qui revient. Certainement le. Ah! Oui! Casse à son fraction. D'accord. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est très bien joué. Surtout que c'est les nuls focus adverse, donc ça gêne vraiment la team bleue là pour le coup. Et Pokémon armure. Enfin, mec, que 3. Quel élément va-t-il. Retirer peut-être la R. J'ai l'impression que c'est son choix. Ce serait plus logique. Après, Nyon qui est. Ouais, du coup, qui est. Quoique la O ne sert pas à grand chose non plus. Ouais, bah, du coup, ils mettent que la terre et la feu. Et Nyon qui est tellement dans des glyphes. Oh y a un tapis bleu. J'ai jamais vu un truc aussi bleu, je crois. Putain, j'en ai fait des matchs fake à fake, mais là. Ah, ça va, il a perdu que 4. Il s'en tire bien. Il va pouvoir taper sur Tibourge, qui est toujours broken hein, d'ailleurs. Pression, pression et concentration, certainement. Flamiche. Flamiche.
Ouais, préfère aller se cacher. Peut-être créer une zone fraction. Aussi, ouais. Tibourge qui est taclé avec 5 PA. Pas faire grand chose. Il a pas d'accel, pas de chance. Vraiment difficilement faire quelque chose d'intéressant. Malade masse, et bien ça c'est peut-être le meilleur truc qu'ils pouvaient faire et ça a été très efficace, ils ont tous perdu beaucoup de PA. Moins 2 sur The Ball. T'auras pas mon qui a 7 PA, est-ce qu'il peut corrup? Ah ça protège Nyon. Et on continue le travail sur Tibourge. Ah, qui descend aussi, hein. On a le 3006, le ouais. Yop à 3000 et Tibourge à 3006. Le Yop est à 2000 sur 3000, c'est quand même une différence, hein. Ouais, ouais, ouais. Le plastron qui est relancé, le Féca n'est pas dedans, mais c'est pas le focus adverse. A priori, c'est pas trop gênant. Il va tacler le Faker avec un Apo. Ah non. J'aurais peut-être Apo le Faker, moi. Sur le tacler dans les glyphes. Parce que là, il va fraction, c'est un peu bête. Il va fraction sur le Yop et ils pourront plus continuer leur focus. Il a fougue son menu. Pour empêcher qu'il soit taclé au prochain tour. Je vois que ça. Hein. Allez, Evans, il reste 3 PA, il peut reculer 2 pour faire une bulle ou bien faire un aveuglement. Ou mettre une glyphe. Pour le FK. Il aurait aussi pu mettre le Zobat dedans. Oh le tapis bleu quoi. 50 retraits. Il n'y en avait pas assez, tiens. Ah non, c'est pas cool ça, faut plus faire des roulettes fortes, des trucs comme ça là. Est-ce qu'il va... Il faudrait qu'il re-réflexe là. Sur Yop The Ball, faudrait qu'il prenne la zone quand même, non ouais. Ah, c'est dommage. En prenant la zone sur Yop The Ball, il aurait tapé deux fois plus fort. Avec la fraction. Ouais. Il aurait tapé à 200 sur les 3. Ça aurait vraiment fait mal pour le coup. Là, je pense qu'il... Ouais. Il se met là parce qu'ils veulent refraction leur propre limitrophe. Avec le Kaflip et le FK. Mais le Zobal ADR ça peut-être empêcher ça. Ouais, il peut. 5 PA. Aïe aïe aïe. Le plastron. Et c'est fini. C'est donc à Frodon de jouer qui va sûrement fraction Tibourge avec lui et son Ekaflip. Histoire de le safe pendant un tour au moins. Ça nous arrange pas ça. Et l'aveuglement sur Nyon. Salut à toi, Extra Ludo. T'as loupé le début du match là, c'était épique. Ouais, de grosses grosses actions. 7 tours de bonheur, et c'est pas fini. Il en reste 80. 4 PA, Liop. Et il sort pas de précis. Oh le pauvre. Allez, une épée, et c'est fini. C'est compliqué de faire bouger les bouger le combat comme ça quand t'as des Féca qui spam les glyphes. Qui sont de vrais Xelors. On remarquera quand même que les esquives sont pas très très hautes, hein, franchement. Ouais, c'est vrai. Ouais. À part Euthanasia et Oopaloomba,
quand même sorti des esquives très correctes. Du côté de Tibourge, Nyon, ils peuvent pas trop se plaindre de perdre des PA. Ouais, elle a sorti la retraite. Oula, malade masse, hein. Moins 2 sur les cas, moins 2 sur le Zobal qui fait très mal. Sachant qu'en plus ils ont 91 esquives chacun et que les nus ouais. A pas de retrait PA. Hein. Les nus faux, ça a pas de retrait donc là il est vraiment chanceux. C'est team heureux. Oh les picadas, j'ai pas vu ce sort depuis 10 ans. Ça, j'ai jamais vu, c'est la première fois. Aveuglement de Evans sur Frodon et Tibourge. Attends, pourquoi cette retraite était nécessaire? Est-ce qu'elle a l'avantage des bleus? Je sais même pas. C'est compliqué les combats comme ça. Hein. Je t'avoue que je perds facilement le fil quand je m'ennuie. Donc 3 PA les gars. Une roulette d'homme quand t'as 3 PA. C'est boule. Un petit bluff. 2500 Nyon quand même, Vitamax. Il a toujours pas lancé de Vita, il me semble. Ah, c'est vrai, il y a ce sort de shit. Et oui, la FZOR 22, la Belgique est en quart de finale, vive les frites. Ouais. Oh, c'est, les huitièmes de finale, c'était quand même assez énorme. Hein. Ouais, 5 prolongations, 3 pénalties. Tous les favoris ont galéré comme pas possible. Ah, mais ils ont tous gagné. Mais ils ont tous gagné, ouais, c'est ça. Là. Les 8 premiers de groupe ont gagné, c'est ouf. Tu vois qui en favori maintenant? Parce qu'au début, je me rappelle, on avait parlé une fois, tu m'avais parlé de l'Espagne. Bon. Non, je t'avais dit la France. C'est fini. Je t'avais dit la France. Bah, la France, je croyais moyennement, mais je sais que Didier Deschamps, c'est. C'est la gagne, quoi. C'est pas possible, ce mec. C'est. Ouais. C'est trop ça. Ça pionce. Allez, t'auras pas mon nom. Commence avec 8 PA. Eh, 8 PA, c'est énorme, hein. Dans ce combat. Ouais, dans ce combat, c'est beaucoup. Pas tout le monde qui a la chance de commencer avec 8 PA. Alors, fais-toi plaisir. Un petit debuff. Et la Claire Duc sur Tibourge. Bon, le combat est assez corps à corps. Je suis pas sûr que ça l'handicap énormément. Ouais. Tibourge, il n'a plus d'héros sur lui. C'est ce que j'allais regarder, ouais. Donc non, ce relâche de peine ne sert à rien. Allez, peut-être une relance plastron du Zoval. Non, le tour 9. Il passera en masque de classe à ce tour pour pouvoir plastron au prochain, par contre. Allez, euthanasia. Ah, avec un FK de chaque côté, c'est tellement... Ça réduit tellement les possibilités de tout le monde que, ouais, même avec une Mascia, tu peux pas renverser le combat, quoi. Parce que tu vas faire quoi avec 5 PA? Non, parce qu'en plus, les deux Zobal jouent juste avant les FK. Donc si jamais une mascarade et que la team se sent en danger, il y a une trêve instantanément. Trêve direct. Allez, rebalance Kalishimo. Lui, il a fait un pari, lui. Je vais rendre le combat le plus sûr possible, les gars. Ah, y a une place en demi-finale, hein. C'est vrai. Surtout que les rouges sont mal en point, là, par rapport à l'Ariop. Je pense qu'ils sont moins bien que les bleus. Bien qu'actuellement, ce soit les bleus qui sont dans la cliff. Alors que les rouges en sont quasiment tous sortis.
Parce que l'IOP, il aurait pas mieux fait de se mettre un peu en retrait, de lancer une coco pour mettre un peu la pression, même si elle sera évitée, hein, mais... Sandopou. Worf. Allez, réflexe. Viens mettre tes réflexes. Il pourrait... Ouais. Allez. Voilà. Ah, ça crit en plus, 20%. Ça crit, qui s'en va. Et l'Olaf. J'ai plus de musique. La Libye de Shizubal. C'est bon, ça va revenir. Il y aura 7 PA et 4 PM Shizubal. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? C'est pas sa relance plastron, ce sera au prochain tour. Peut-être trans. On a choisi de taper sur une trophe qui n'est toujours pas érodée. Hein. Enfin, qui n'est plus érodée. Et c'est un Frodon de jouer. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Peut-être TP, elle est tapée Liop là, il est érodé. Faut en profiter, franchement. Il a pas d'armure, il a rien sur lui, Liop là. Je verrais bien un TP retour sur Liop là. Ok, il joue safe. Il simule un Nitrof alors qu'il est pas érodé. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment utile. Ça continue. Aveuglement, moins 2 PA sur Nino. Non, stop les glyphes. Un glyphe. Allez, maîtrise. Please. Nonoob. Test avant. Et recharge colère, du coup. Il a la foi. C'est ce que je pensais. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre, de toute façon. Il est mal au point, donc il peut pas avancer. Il faudrait éviter de debuff Nion inutilement, là, puisqu'il a encore un réflexe de 20% sur la tête. Mm-hmm. Que fait-il? Il va rapprocher. Why not? Bien joué. Nion. Bien joué, c'est plutôt cool ce qu'il vient de faire. Et on repart avec une Axel. Et on sac les trois. Jouer tout leur jeu, j'ai bien aimé. Dommage qu'il ait passé avec 3 PL, on aurait pu faire un volage sur Liop. D'autant plus qu'il crée une zone pour son Ekaflip là, hein. À moins qu'elle soit cassée par le Feka ou les nus. Ekaflip a une zone pour réflexe les deux là. Donc même s'il y a une fraction, ça tapera fort. Il y a Ad qui débarque. Vous allez bien? Non, c'est chiant. Ah bon? C'est naïvement. Ah bon? Fait qu'à Zozo dans les deux teams, hein, c'est compliqué. C'est qu'à Zozo est nu dans les deux teams. Ouais, est nu. Allez, 7-5 pour Euthanasia. C'est la relance de son plastron. Est-ce qu'il va faire masque de classe plastron? A priori, oui. Ah, il a un bon nom, lui, pour ce combat. Je crois que, ouais. On pourrait débrancher tout le monde, là. Moi, je vote pour la loi direct. Moi. Et en plus, ça plastron le sac. Oh là là. On va encourager les bleus parce que c'est eux qui semblent mieux partis, là, quand même. Si on regarde la vitalité des teams en bas à droite, c'est quand même criant l'avantage qu'ils ont pris. Ah, j'ai pas l'habitude de regarder ça. Ah oui, oh, il y a 6000 de différence. Des fois, on voit pas trop comment un combat se déroule. Et on regarde ça et on se dit, ah ouais, là c'est clairement les bleus qui dominent. Alors, Balumba, RDS sur Liop. Il y a que Liop qui pourrait changer le combat plus ou moins, mais il y a tellement en face, il y a le Feka, il y a les nus, donc il pourra jamais. Ah, c'est compliqué. Allez, il faut que les cas tapent sur le... C'est un peu bête d'avoir fraction et renvoi de sort, parce que là, les cas a juste à taper sur le Zobal et ça tapera Lyon. J'ai pas trop compris l'utilisation des deux sorts, en fait. Soit fraction, soit renvoi de sort, mais pas les deux. Ça va partager. Bon, ça empêche les cas de...
peut faire des sorts sur le yop, mais que sur le yop. Mais bon. Ouais, mais le renvoi de sort suffisait. Ouais, du coup, il va... Pourquoi la fraction? Du coup, il va se concentrer sur Zobal et ça fait descendre. Je t'ai dit. Nyon qui a plus qu'à 1100 points de vie. 852. 850 après ce tour, rien. Donc on a un plastron qui va arriver côté Zobal. Shizuba qui prend son temps. On sait que tu vas masquer le classe plastron. Échec critique. Non, mince. Ça n'existe plus. Ah, même à le plastron. Apo. C'est peut-être mieux joué. Effectivement, enlever le yop des cliffs PA. C'est une meilleure idée, certainement. Sachant qu'il a une destin, là. Qu'il est sous fougue. Ah, mais il va faire quoi? Il va pas aller rush, quand même. C'est... Bah, il est en voie de sort, là, pour l'instant. Ah ouais, mais tu... Ouais, tu prends du cac. Au revoir. Ce qu'il décide. Alors, c'est très bien joué de faire aveuglement sous renvoi de sort. Bah, c'est sûrement. Ouais. Pas mal. Ouais. Joli fail. J'ai pas mon petit jingle, j'ai pas pensé. Vas-y, balance encore. Activité, activité. Merde, j'ai perdu. C'était pas celui-là que j'ai joué. Bon, on va l'applaudir. Voilà. Ah, du coup, ouais, il rush, mais ouais, c'est. Ouais, j'aurais pas fait ça, moi. Oh, faut y aller, hein. Franchement, faut y aller, là. Ah, y'a fraction! Bah ouais, il va pas faire grand chose. Et j'aurais lui, peut-être pas rush sous fraction. Il a plus de 100 points de vie. Il s'en va, quand même. Ça va, hein, part, ouais. Mais... Peut-être ouais. Le debuff de l'ennemi pour enlever le renvoi de sort. Maintenant. Là, s'il se fait des buffs, il est complètement à poil. Ah non, il reste fraction. Parce que autant du FK. Mais ça tape. Doucement, mais sûrement. Oh, ils sont dans un tapis de glyphes, les Nium Team. Maladresse. Et la clé réduc. Sur Even. Qui se retrouve dans les glyphes à cause de la pelle. Cette pelle qui empête vraiment la Zephyr. Hein. Ouais, carrément ça. À chaque fois, ça les remonte en haut, là, dans les glyphes. Dans les glyphes. Ou Corrup, ça sent la Corrup. Ah non. Allez chercher une ligne de vue roulage de pelle. Hein, Ad. Ah, Ad. Elle est pour toi, celle-là. Dédicace. Casse des types. Il est venu chercher la ligne de vue roulage de pelle. Oh là là, le diff, putain. Euthanasia 9-3. Et il passe en pleutre. Je déteste ce masque. Qui l'a inventé? Tortoria. Ah non. Faut mentir, tiens. Double distance. Why not? Ça tape, hein? Allez, 9-3 pour Events. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il a une relance armure là. Il pourrait armure, voilà. Il a pas de 500 points de vie quoi. Mise en garde. Il y a plus fraction là. Moi je pense que les cas terminent, non? Il va se faire soigner un peu par le tourien, le yop. Mais très légèrement. Mais à mon avis, les armures suffisent pas, hein. Bah ouais, le cas n'a pas de glyph. Ah non, il se fait même pas soigner parce qu'il est encore sous fougue. Ah oui. 12 PA, 600 sous armure, logiquement ça passe. Ouais, pour moi ça passe. Allez, Ubaluma! Fais ton taf! Allez! 78. Allez! 76. Voilà! Le premier mort en 11! On peut l'applaudir, je pense. Magnifique! Allez, je le remets deux fois cette jingle. Que... Alléluia! Mes frères! Ce combat se décante enfin au 11ème tour. La team bleue qui prend l'avantage. J'ai même oublié les noms du coup.
C'est écrit en bas. Mew Mew Steam. Ah oui, putain. Oh. Ça crée vraiment que je disais Zephy Mew Mew Steam depuis tout à l'heure. Par cœur comme ça. Non mais c'est mes yeux, ils sont complètement focalisés sur les tapis, en fait, ça m'hypnotise. Est-ce qu'ils sont tournés dans le bon sens? Allez, ça boliche et ça libé. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu ce combo-là. Boliche, boliche, libé. Voilà, Frodon de jouer avec Fraction. Certainement... Ah, je suis pas sûr. Ah non, il a pas le cooldown, je pense. Ouais. Il va simplement refaire sa relance armure. Puisque lui aussi avait lancé ses armures au tour 6. Et salut Tutu, qui nous rejoint dans le chat. Hello Tutu. Hello. C'est une chanson de qui ça? Je sais pas. Je savais venir t'as dit hello, je sais. Je sais pas. C'est ce truc comme ça. Allez, la corrupte de Tibour, ouais. Je suis sûr que t'auras pas mon nom. Et la flamiche. Sur Shizupa. Shizupa, ça me fait penser à la pub là pour la voiture. Le mec, il dit en ce moment, faut vous parler un peu Brésil, un peu football. Ouais. Voilà. Il présente sa voiture, il fait. Muito tactile. Muito tactile. Ouais, ouais, je l'ai vu. D'habitude, je regarde jamais la télé, mais ouais, avec la Coupe du Monde, je suis obligé. Celle-là est tellement drôle. Muito tactile. Allez, Safuria et Souffraction, ça fait quand même très très mal. Hein. Events qui tombe à 1600 points de vie. Ah, il s'est pas fait éroder, mais il n'y a pas de soin hein, côté rouge. D'où l'importance quand même d'avoir un petit peu de régène, même dans une compo fait casobal. Ah, ça sent la fin là. Bim! Le coup de rapière. Souffraction. Ah, il aura bien résisté hein, Tibour, je pense qu'il aura pris. Ils auront essayé de l'héro, mais ils n'ont pas réussi. Hein. Toujours presque 3000 vita. Fertiligène, quel beau gazon, toute la saison. C'est pour toi, Ad. Ouh, les gros bluffs là. Ouf, les gros touriens, ils rigolent pas ces cas. Touriens. C'est là qu'on voit qu'un écart est quand même beaucoup plus puissant qu'un yop. C'est les cas qui a fait la diff. Hein. Bah, le Yop peut faire plus de dommages sur un tour dans de bonnes conditions, mais c'est vrai que... En termes de dommages constants, les cas... En moyenne, ouais, voilà. Avec ce putain de tour rien pour 2 PA, c'est une folie, quoi. Mmh. Et je me demande comment ça se fait qu'ils ont pas réduit les dommages de ce truc... Ouais, c'est pas normal. Ça fait 6 mois que ça dure, presque. Et salut, Tirapasse. Tu arrives pour la fin. Enfin, ce qui y ressemble. Puisque Shizubal et Ven sont très mal en point. Et ça n'aurait pas fait match nul en phase de qualif. Ouais, c'est ça qu'il y avait eu match nul en match de qualif. Donc après, je sais pas, il y a peut-être une map, ouais, la map. Qui s'y portait plus, mais là, ils ont bien géré l'affaire. T'auras pas mon nom. Je t'avais pas demandé. Allez, Reconce. Reconce corrupt. C'est pas souvent qu'on voit ça. Allez. Autour d'Euthanasia qui a peut-être mascarade hein, pour finir. What? Really? Il va aller. D'accord. Ok.
Pourquoi pas taper Even? Il a encore des armures et pas les ovales. Ouais. C'est vrai. Ivan, il sait que c'est la fin. Lui, il y Il va. tape. Ça va, il trèfle pas, il est gentil. Putain, j'avais les sardines sous la main, là. Tu peux les mettre, tu les as ratés tout à l'heure. Ouais, mais non, mais ça marche plus, là. Allez, Oubalumba qui va sûrement démonter Shizubal. Ah non, il est en sortie de Roue de la Fortune. Pas beaucoup de dégâts. Il va percep et faire 3 bluffs, sûrement. Hop, un esprit félin pour finir. Et pour tacler chez Zoubal aussi. Il n'y a qu'une cabriole, il se tacle. Si on pouvoir faire quand même un mort. Je sais pas, on va voir. Cette équipe de rouge. On va voir Ennemu de Frodon, non? L'ennemi. Je pense que c'est l'ennemi de Frodon, là. Ouais. Non, RDS. Allez, là, faut taper Shizupal. Voilà. Deux nuageux, 700 points de vie pour Shizupal. Est-ce que l'ennemi peut finir là? C'est chaud, c'est pas fort en ennemi. Ouh, si, ça crit, ça crit. Il est au RI. Toi qui a été fait au fait. Yes. Silence! I kill you! I kill you! Fertilisation. Il m'a mis dans la tête cet enfoiré. Allez, 2 contre 4. Hâte qu'il se fait victime dans le chat. Je veux voir ça. Oula. Va donc voir ça. Oh, cet absurde en boîte sort. Sardine sous la main, c'est pas très propre. Ouh, le coffre qui tape à 400 sur les K-flips. La masca. La masca, est-ce qu'il va finir? Furia, appui, flamiche. Ça sera pas suffisant. S'il appuie crit? Ah ouais, si si. Il y a un malus récrit quand même, le fait que voilà, hein, faut crit. Et les K. Est-ce qu'à 2 ils peuvent finir le Utrof à ton avis? Ouais, il est où les nuits? Ah, avec la roulette chance pour le FK, il y a des chances. Ah, il, je crois qu'il a un tour rien là, sous la main en plus. Il va ouais, faire 3 bluffs en espérant des bluffs hauts avec la roulette. Et bien ça tombe. Ils sont 3 en plus à pouvoir taper. Ouais, puis il fait 2 bluffs E déjà. Tranquille, wow. Voilà, le Thor à oh, 700. Il s'est tapé à moins 1000. Ah bah ouais. Il s'est mis moins 1000 les gars. Avec les malus de la roue. Oh, ça a pris cher. Un gros coup de rapière sûrement. Oh, fallait rapier avant. Bon. Pour voir les dégâts. Nul. Nul. Et... c'est donc la victoire des Mew Mew Team. Ça se félicite. Alors ouais, le coup final. Tours. Moins long qu'on ne le prévoyait finalement. Une heure tout de même, 14. Ouais, carrément. Tours. Voilà. Silence! I kill you! Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué à cette composition. Ekaflip, Feka et Nuzobal qui accèdent donc aux demi-finales. Tout comme l'ont fait avant eux. Les Seip qui ont gagné par forfait contre Brumer B et les Ocalm qui ont battu les Indisponibles. Donc on a deux teams Zop, Feka et Nu en demi-finale.
M'inviter surprise. Commentateur surprise? Pour commenter quoi? Y'a plus de match. Ouais. Ah, t'as l'air chaud. Ouais, non, je passe juste faire un bisou au viewer. Je fais un gros bisou. Ah. T'as un micro bizarre. Courage. Ouais, mais je suis sur mon téléphone en fait, c'est pour ça. D'accord, ok. Alors, je suis scandalisé parce que j'ai mangé un espèce de confit de canard absolument dégueulasse au resto. J'ai payé ça 22 euros, un menu absolument dégueulasse, infect. Je vous déconseille de manger du confit de canard en Charente-Maritime. Voilà, et puis je vous souhaite une très bonne nuit à tous. Bisous, bisous. Je vous déconseille de manger en Charente-Maritime. Ciao, salut, bisous. Bisous les viewers, ciao, ciao. Salut Farid, salut Mandy. Bon courage. Ciao. Il est fou ce mec. Ah non, non, non. Ok. Bon. Bon, bah voilà. Bah, du coup, je pense qu'on va. Petite soirée. On va se laisser aller dormir tranquillement. Tranquillou. Après ouais. Ces deux matchs, avec le deuxième un peu plus long que le premier. C'est dommage parce qu'on a vu quand même quasiment sur quatre compos qu'on a vu ce soir, on a vu trois fois la même presque. Donc, c'est un peu bête. Mais bon. Demain, on aura sûrement. Demain. Est-ce qu'il y a des matchs demain, tiens? Non, pas de match demain, je crois pas. C'était marqué. Pas de match, pas de match demain, pas de match préliminatoire. Peut-être qu'il y aura des matchs de la même handicap, par contre, c'est possible. Peut-être, ouais. Ah, c'est dommage, j'aurais pu profiter de la pause Coupe du Monde là pour enchaîner. Ouais, voilà, fallait plein de matchs là. Donc, je peux après, moi je suis plus là, ouais. Ouais, toi non plus. Moi j'existe pas, moi. Après, c'est fini. Je suis invisible. Ok, bon, on va se quitter là-dessus. Ouais, on va se quitter là-dessus. On vous souhaite tous une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis ce soir. Et on espère que vous avez apprécié le stream, même si le combat était un peu laborieux. Allez, d'accord, je vais mettre les sardines. Allez. Allez, on se quitte en sardines. Bonne nuit, Farel. Ouais, bonne nuit à bonne toi nuit aussi. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Bye bye. Il faut des danseurs et des danseuses, qui, souriant, qui tapent aussi dans les mains. Et maintenant j'explique. Pour faire une chanson facile, facile, faut d'abord des paroles débiles, débiles. Une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là on se rassemble à 5, à 6 ou 7 et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Allez les cœurs. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, je sais, ça vole pas haut, ça vole pas haut. Bien sûr que c'est vraiment facile, facile, c'est même complètement débile, débile. C'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête, c'est fait pour se toucher, se frotter les arêtes. Alors on se rassemble à 5, à 6 ou 7, et puis on saute ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Hey, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, c'est pas mal. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Et puis, pour respirer un petit peu, on s'écarte en se tenant la main. Et puis, pour être encore plus heureux, on fait la 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 en chantant mon refrain. Allez les filles, approchez-vous. Et on lève tous les mains au-dessus de la tête et on chante. Ah la 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 la. On se croirait au mariage de ma cousine. C'est ça. La 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 la
cousines, hé, les danseurs, descendez les chercher. Faites-les serrer les uns contre les autres. Allez-y, allez-y, allez-y. Restez debout, restez debout. Serrez-vous les uns contre les autres. On va le chanter, ce refrain débile. Alors, c'est facile. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ? Chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ? Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Vous allez avoir dans la tronche toute la nuit. Ah ben, c'est dur, je sais, fallait pas venir. On y va ! Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond. Heureusement qu'il fait pas chaud, hein. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante. Allez, on va se quitter en beauté avec le tube de l'été qui va pas se lancer, je sais pas. Mon super ordi de gamer TDA qui marche pas très bien. Nalu. Voilà. Good night, everybody. C'est parti de rien, une étincelle d'un projet qui ensorcelle. On s'est dit commenter des matchs, allez, pourquoi pas. On a grandi, non sans émoi, y a eu des hauts et quelques bas. Il suffisait de commenter pour se remotiver. Sur stream CDO. Sur le stream CDO. Des tournois, le Gouta, de vrais pros, des rigolos. Il y a tout ce que vous voulez sur le stream CDO. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous pour commenter avec des fous qui vivent le micro à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, bien rigolé, et on n'a presque pas pensé à commenter. Oh là là. Sur Stream CDO. Sur Stream CDO. Des tournois, le Gouta, des cocos, c'est rigolo. Il y a tout ce que vous voulez sur Stream CDO. Que soir des inconnus perçus par le grand Mandy. Commenter un tournoi en vrai depuis le début, moi j'y croyais. Et grâce à vous c'est arrivé, oui on l'a fait. Sur le stream CDO. Sur le stream CDO. Des tournois, le Gouta, de vrais pros, des rigolos. Il y a tout ce que vous voulez sur le stream CDO. Sur le stream CDO. Sur le stream CDO. Des tournois, le Gouta, des cocos, c'est rigolo. Il paraît même qu'il y a de nouveau sur stream CDO.
Après, je suis en mode repeat. C'est allez, une deuxième fois parce une étincelle que d'un projet qui en sorcelle. On se dit commenter des matchs. Allez, pourquoi pas. Sur le stream CDO. Sur le stream CDO. Des tournois, le Gouta, de vrais pros, des rigolos. Il y a tout ce que vous voulez sur le stream CDO. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous pour commenter avec des fous qui vivent le micro à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, bien rigolé, et on n'a presque pas pensé à commenter. Oh là là. Sur stream CDO. Sur stream CDO. Des tournois, le Gouta, des cocos, c'est rigolo. Il y a tout ce que vous voulez sur stream CDO. Chaque soir, des inconnus percés par la voix de Tutu, des spectateurs tout étourdis par le grand Mandy. Commenter un tournoi en vrai, depuis le début, moi j'y croyais, et grâce à vous c'est arrivé, oui, on l'a fait. Sur le stream CDO. Sur le stream CDO. Des tournois, le Gouta, de vrais pros, des rigolos. Il y a tout ce que vous voulez sur le stream CDO. Sur le stream CDO. Sur le stream CDO. Des tournois, le Gouta, des cocos, c'est rigolo. Il paraît même qu'il y a de nouveaux sur stream CDO. Allez, bonne nuit les petits.